Salut, bienvenue dans le lounge pour cette vidéo très rapide. Aujourd'hui, c'est la sortie de Zelda Skyward Sword HD. Après 10 ans, Nintendo décide de nous faire ce portage de ce Skyward. Alors, je vous remets dans le cadre. On avait eu un portage de Wind Waker, puis un portage de Twilight Princess, fait par le talentueux studio Tantalus, mon ami Tom. Et puis, aujourd'hui, à nouveau, Skyward Sword, Tantalus remet le couvert. Toujours avec ce portage. Combien de fois j'ai entendu « mais ça arrivera jamais, ça arrivera jamais ». J'ai envie de vous dire, fermez vos G-U-E-U-L-E. Voilà, le jeu il est là, il a été annoncé, il est sorti, et c'est parti. On va pouvoir découvrir ou redécouvrir The Legend of Zelda Skyward Sword. Alors il y a eu plein de petites choses, Nintendo n'a pas extraordinairement bien communiqué à mon sens sur les petites modifications, la caméra, la disparition de faits en options, qui étaient des points un petit peu relous, le 60 images par seconde, globalement je trouve qu'ils auraient dû peut-être communiquer de façon plus claire sur le jeu, à mon avis. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux, et puis je pense que les gens attendaient les 35 ans de Zelda de façon plus prépondérante, et donc du coup voilà, c'est peut-être tombé un petit peu, mais globalement le jeu est sorti. Et j'avais envie de vous en parler parce que moi, j'ai adoré The Legend of Zelda Skyward Sword. Je trouve que c'est un très très bon Zelda et pour plusieurs points. Le premier, de 1, Motion Gaming. Alors, oui, j'entends ici et là, j'entends mon pote Cyril Drouet me dire « Mais Nico, mais c'est pas possible, arrête ton Motion Gaming !» Eh ben non, moi je reste sur mes positions. Je pense que le Motion Gaming, ça a apporté quelque chose aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est dommage, c'est quasiment... une sorte de gimmick, ce qui est dommage. Et Skyward Sword avait été un petit peu le haut de la pyramide, le point culminant du motion gaming à côté de Wii Sport Resort à l'époque et de Red Steel 2. Et c'est vrai que je trouve dommage qu'on n'en ait pas un petit peu de temps en temps des jeux pensés pour cela, bien évidemment. Et je suis ravi que Skyward Sword réutilise le motion control pour pouvoir profiter de ce Zelda. Il y avait plein de petites choses sympas, alors ça ne marche pas toujours parfaitement, c'est vrai. Ça reste un jeu vidéo, hein, après tout. Mais l'immersion, elle est quand même là, c'est plutôt sympa, ça marche bien, il y a plein de petites choses qui font que le jeu est unique, et il y a quand même certaines formes de tension lors de certains combats. Moi, je me souviens, il y a du pirate, le vrai boss de fin, même d'ailleurs, le fameux Jiraim aussi, qu'on revoit à certains moments. Mais il y a des moments très sympas, je trouve, avec ce motion control. Alors, il y a peut-être les bombes, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y avait... l'univers, le fantasme, effectivement, des cieux, de la terre, alors c'était génial. C'est vrai que moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc très intéressant. Ce sera surtout dans Breath of the Wild 2 que, justement, on atteindra, parce que la technique va nous permettre de pouvoir avoir quelque chose de seamless entre le ciel et la terre. Dans cette version-là, on a deux choses différentes, et il y a une sorte de transition entre les deux qui casse un petit peu l'immersion. Mais mine de rien, c'était vraiment cool de pouvoir se balader avec... notre oiseau, notre magnifique oiseau incroyable, à se balader comme ça dans le ciel. Je trouve que ça apportait quelque chose d'un peu frais. Il y a vraiment des petites îles comme ça qui flottaient, qui étaient vraiment chouettes. Ensuite, ce Zelda a apporté quand même la jauge d'endurance, la customisation des objets. Il a fait plein de petites choses que Breath of the Wild a démultipliées derrière. Et ça a mis le pied à l'étrier, je trouve, à ce côté un petit peu RPG qui manquait. Effectivement, à la saga Zelda, que Breath of the Wild a globalement bien amélioré. On verra bien dans le 2, je pense que ça va être encore amélioré. Je ne fais que me réjouir. Ensuite, il y avait la direction artistique. Alors la direction artistique, quand elle est sortie sur Wii à l'époque, c'était tellement dégueulasse, effectivement. C'est vrai qu'on pleurait un peu de l'œil. On se dit, oh, c'est dommage, machin. Il y avait ce rendu un peu pinceau qui était sympa. Et c'est quand on a vu les émulateurs, qu'on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'avec une belle résolution, là, pour le coup, on pourrait distinguer un petit peu mieux la DA. Et autant vous savez que je ne suis pas un fervent de la tech, je m'en fous un peu, mais par contre la résolution c'est quand même important, et moi je pense que 1080p c'est quand même le top, surtout si vous avez du 60, et c'est vrai que là pour le coup Skyward Sword a au moins du 60, et puis une résolution qui est top. Alors je ne me souviens plus si c'est 720 ou 1080p, vous me rattraperez dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est au moins c'est en 60 images par seconde, c'est très très fluide. Même si de temps en temps, il manque quelques petites animations de transition. Hein, le jeu a 10 ans, il accuse un peu le coup tout de même. Mais globalement, c'est un très beau portage. Je remercie Tom, bien évidemment, et toute son équipe incroyable chez Tantalus d'avoir fait ce jeu. Parce que c'est voilà, ça méritait d'être fait. Il fallait lui donner une deuxième chance. Et il ne faut pas oublier que c'est un des Zelda 3D qui a été le moins bien vendu. Sorti au très mauvais moment sur la Wii. La Wii était en
déjà en chute libre. Et donc, du coup, c'était bien de lui redonner un petit peu de brillance. Parce qu'il apporte des trucs très importants. C'est le premier Zelda de la saga. C'est celui qui pose les fondations. Je vous spoil pas, mais le boss de fin, c'est assez cool. C'est vraiment fascinant. Toute l'histoire aussi autour de la princesse, du monde des cieux et tout ça est vraiment très bien fait. C'était le premier Zelda aussi bien narré. Alors, il y a eu Breath of the Wild derrière, mais c'est l'un des mieux narrés. Il y a une relation juste géniale entre Link et Zelda, qui est vraiment juste génial. Il y avait une ambiance, il y avait quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment cool, je trouve, en tout cas, dans ce jeu-là. Et puis, pour conclure, parce que ça sert à rien d'en parler des heures, et je vous invite juste à aller y jouer, et puis basta, les donjons, c'est dans les tout meilleurs donjons de la saga. Alors, pour moi, il y a Twilight Princess en termes de donjons, attention, pas en termes de Zelda, mais en termes de donjons, Twilight Princess met la barre très très haut, ils sont vraiment incroyables. Derrière, c'est Skyward Sword. Et peut-être le meilleur donjon de la saga est dans Skyward Sword, mais je ne vous en dis pas plus. Je ne peux que vous inciter à y aller, sachant qu'il n'y a plus de donjon dans Breath of the Wild, même si dans le deuxième, hein, ils arriveront. Mais ça fait du bien de se replonger dans des donjons avec les énigmes, les clés, les trucs. Moi, je trouve ça juste génialissime. Juste génialissime. Et il n'y a tellement pas de jeux comme ça, que pourquoi se priver? Alors oui, il est à 49,90€, hein, c'est vrai. Ça pourrait être peut-être plus cher, il y en a qui disent 60 balles, mais non, il n'est pas à 60€. Il se trouve à 49,99€ si vous cherchez un petit peu sur certains sites de vente. Je ne vais pas faire de la promo pour ces sites-là, mais globalement, il est trouvable. Pour un prix, toute somme raisonnable, surtout si vous ne l'avez pas fait. Et peut-être ceux qui l'ont fait mais pas fini, qui ont envie de lui redonner une chance, eh ben, allez-y les mecs, hein, allez-y. Les mecs ou les nanas, peu importe, moi après je vais me faire traiter de mec, je sais plus comment ils disent maintenant, bref, vous avez compris. Donc, foncez, amusez-vous, passez un bon week-end dans les cieux, déconnectez de la réalité, là, du monde qui est quand même un peu relou, et amusez-vous. De toute façon, je vous dis encore à ce soir, on se retrouve à partir de 21h-21h30 pour une émission sur Twitch. Nintendo est-il le leader du marché? Là, on va casser des bouches, on va poser ça sur la table bien lourd. Je vous embrasse, à très vite dans le lounge. N'oubliez pas le pouce, le commentaire, vous abonner. Vous pouvez même faire un membre VIP pour envoyer des ronds, peut-être comme vous voulez. Je vous embrasse. Ciao à tous.